Des minuscules habitudes peuvent complètement changer ta vie. Et dans cette vidéo, je vais te parler de 15 conseils assez faciles à mettre en place, mais qui peuvent avoir un impact énorme s'ils sont effectués assez fréquemment. Le premier point, c'est chaque chose à un endroit. Je sais que j'ai tendance à mettre mes limes à ongles et vous savez, les petits essuie-lunettes un peu partout dans ma chambre et dans ma maison, et un dans un sac à main et un dans ma table de nuit, un quelque part, etc. Alors ok, des fois c'est pratique de toujours en avoir un sur soi, mais la plupart du temps, ça fait en sorte que je ne sais jamais où regarder quand j'ai besoin d'une lime à ongles ou d'un essuie-lunette. En les mettant un peu partout, je me dis comme ça, ce sera pratique, je pourrai l'avoir n'importe où, où je suis dans la maison. Mais vu que je vais l'utiliser après le remettre à un endroit, après le mettre autre part, ils vont jamais être à la même place et je vais toujours oublier, ce qui me fait perdre un temps de ouf. Ça fait l'effet inverse et ils sont jamais où je pense. Alors que si je les mettais toujours au même endroit, tu sais que par exemple quand tu cherches une lime à ongles, elle est à chaque fois dans le tiroir de ta salle de bain. Quand tu cherches un truc pour essuyer tes lunettes, c'est à chaque fois dans ta table de chevet. Tu vas pas commencer à chercher partout. Et surtout, ça va faire en sorte qu'il n'y ait pas de bazar parce que chaque chose, chaque objet a un endroit précis. La deuxième chose, c'est prendre le temps de manière générale pour se faire des moments de qualité. Et en particulier pour se préparer des bons repas. Manger, c'est vraiment un truc tellement précieux, on ne devrait pas avoir à le faire dans le rush vite fait avant de commencer autre chose. Faut que ce soit un vrai moment de qualité avec soi-même, de la préparation à la dégustation. Et pour illustrer ça, cette partie de la vidéo est en collaboration avec HelloFresh. HelloFresh, ce sont des repas qui vont être livrés chez toi avec uniquement la quantité dont tu as besoin pour préparer les recettes dont tu as besoin. Donc c'est fini d'avoir oublié le gruyère et donc de devoir courir au supermarché avant que ça ferme. Et en plus de ça, c'est pas juste un truc que tu vas commander et recevoir et ce sera prêt à manger. Ce sera un vrai moment de qualité que tu vas passer à le préparer, peut-être avec ta famille, peut-être toute seule avec de la musique jazz en fond, tu vois, c'est un vrai mood. Tu peux choisir les recettes sur le site que tu veux recevoir ou alors te laisser un peu la surprise et choisir les catégories que t'aimes bien. Par exemple, moi j'ai choisi poisson et légumes parce que c'est ce que j'adore manger. On se retrouve dans ma cuisine pour préparer une tarte façon tatin au poireau. J'ai déjà préparé ce lieu noir qui était absolument délicieux. Mes parents ont vraiment validé et ils étaient ravis que je joue à la chef. Il y a quand même assez peu d'emballage. Les fruits et les légumes sont juste comme ça dans la poche en papier. Et hop, la magie du montage, tout va vite et c'est déjà cuit, ma tarte est prête. J'ai cuisiné les quantités pour deux personnes alors qu'on était trois, mais c'était largement suffisant et hyper miam. Cliquez sur mon lien et utilisez mon code EVA-YT pour commander votre box à moins de 3€ par repas, plus 3 cadeaux surprises. Le troisième point de cette vidéo, c'est taper la balle. Je sais, ça veut un peu rien dire comme ça, mais j'avais vu il y a très longtemps une vidéo qui parlait d'un gars qui était tennisman, il me semble, et un journaliste lui demandait comment vous faites pour être le meilleur. Genre en gros, c'était un des meilleurs mondiaux. Et vous savez, c'était les petites interviews après match ou avant match. Et il lui demandait, mais comment vous faites? C'est quoi votre secret en gros pour être le meilleur? Et le professionnel du tennis avait juste répondu, ben je tape la balle. Le journaliste, il était en mode, oui d'accord, vous tapez la balle. Genre tous les tennis players tapent la balle. À partir du moment où t'es joueur dans un sport où il y a une balle, forcément pour être pro, il faut commencer par taper la balle. Mais non, il disait, vous comprenez pas, genre je tape la balle qui arrive. Genre je tape pas celle d'avant dans ma tête, je tape pas celle d'après. Je suis pas en train de me dire, oh j'aurais plutôt dû taper comme ça celle d'avant, ou oh ok celle d'après je vais bien la réussir et la taper fort. Enfin je sais plus exactement ce qu'il disait, mais en gros il disait je suis vraiment là, genre quand la balle arrive et que je la tape, je pense uniquement à cette balle là, à comment je dois placer mon corps etc. pour taper la balle celle là, à ce moment précis, à cet instant T, et qu'elle arrive exactement là où je veux qu'elle arrive dans le terrain d'en face. C'est à ce moment précis qui doit faire la différence et qui doit être assez concentré et en même temps assez dans le lâcher prise pour que son corps sache exactement quoi faire. Prenne exactement la bonne position, tape exactement au bon endroit, avec la bonne intensité. Et c'est vrai que ça m'avait marqué quand j'avais entendu ça il y a des années, et j'y pense encore de temps en temps. Et c'est d'ailleurs une excellente transition pour aller vers le point 4 de la vidéo, qui est l'importance des mots. Il y a quelques semaines, je jouais à la pétanque avec une copine, enfin avec plusieurs copains, et cette copine, on était dans la même équipe, tu vois, donc évidemment, je voulais qu'on gagne. Petit esprit de compétition. Et à chaque fois qu'elle jouait, avant même de jouer, ou juste après avoir joué, elle disait des trucs en mode, oh non mais je suis nulle, voilà, je savais que j'allais pas la réussir, oh non je suis vraiment trop bête, etc. Et je lui disais, mais non, genre dis pas ça. Si déjà avant de jouer tu dis, oh je suis sûre que je vais pas la réussir, c'est évident que tu vas pas la réussir, tu mets déjà une limite à ton cerveau. À chaque fois qu'elle disait un truc comme ça où elle se dévaluait, moi je lui disais, mais non t'es gay et fort, genre mais non c'est sûr que tu vas réussir, je la saucais en gros. Et c'est vrai que même pour des jeux comme ça à notre niveau où on joue juste à la pétanque en vacances, tu vois, genre c'est très très loin d'être un niveau professionnel, je vous assure, si vous nous voyez jouer,
vous avez aucun doute qu'on est très très loin du niveau professionnel. Mais même dans ces cas-là, pour réussir, il faut taper la balle. Genre, enfin dans ce cas-là, lancer la balle. Genre pas se demander autre chose sur celle d'avant ou sur celle d'après, c'est celle-là à ce moment précis. Faire abstraction des autres qui sont autour et qui te mettent un peu la presse, juste lancer la balle. Et quand tu regardes des joueurs pros qui effectuent leur sport, peu importe lequel c'est, tu vois qu'ils sont dans une sorte d'harmonie, dans une sorte de... je sais pas comment dire ça, une sorte de flow. En anglais, je pense qu'on dirait ça. Ils sont tellement dans leur truc et dans leur bulle, et je suis sûre que ça, ça fait grave la différence. Et c'est vrai que jamais, même pour rigoler ou quoi, je vais dire « Oh, je suis trop conne » ou « Oh, je suis trop bête ». Ou même si un jour, je me trouve moche, genre je me regarde dans le miroir et je sais pas... Des fois, t'as des jours comme ça, tu te réveilles et bon, voilà, c'est pas le top, genre la confiance en soi est pas au max. Mais je vais pas me dire genre « Oh, je suis vraiment trop moche aujourd'hui ». Genre jamais je vais me dire ça. Même s'il y a une petite partie de moi qui le pense, je pars du principe que si je dirais pas ça à quelqu'un que j'aime, je vais pas me le dire à moi. Et même dire genre « Oh, je suis trop bête, je suis trop conne » en rigolant, ben ton cerveau, il fait pas la différence quand tu rigoles ou quand tu rigoles pas. Il sait pas si ça fait partie d'une blague ou pas. Les mots ont une importance de ouf. Et je trouve qu'on a vraiment tendance à les sous-estimer. Et ce point-là sur l'importance des mots, je le mets dans cette vidéo qui est censée être des habitudes simples, alors que je sais que c'est pas si simple que ça de changer sa manière de parler. Théoriquement, ok, c'est simple de pas dire une certaine phrase et d'en dire plutôt une autre. De remplacer « je suis grave nulle » par « je suis grave forte ». En soi, théoriquement, c'est simple. Mais dans les faits, quand t'as une certaine habitude, une certaine façon de parler, quand tu parles, tu réfléchis pas, en fait. Sauf si t'es vraiment dans un meeting ou un truc très important, où t'as déjà étudié ce que t'allais dire, etc. Mais la plupart du temps, quand on est avec nos potes, quand on est avec notre famille, on réfléchit pas à ce qu'on va dire. Et donc, c'est très instinctif, en fait. C'est nos habitudes, nos façons de parler qui font en sorte que les mots vont sortir de notre bouche d'une telle manière, sans qu'on y réfléchisse. Donc, je sais que c'est pas si simple que ça de changer cette habitude-là par rapport aux mots qu'on utilise. Mais il y a une technique qui peut t'aider à stopper les habitudes que tu veux absolument arrêter, qui est assez simple et qui marche vraiment très bien par rapport à ces tics de langage-là. Par exemple, si tu trouves que tu dis trop de gros mots, trop de grossièreté et que t'aimerais en dire moins, c'est la technique du chouchou. Je sais plus où j'avais lu ça, c'était dans un livre d'habitudes. Et en gros, il disait de quand tu te surprends à... Il me semble que c'était pour les gros mots, mais ça peut être par exemple pour le fait de se dévaloriser, de dire je suis nulle, je suis bête, etc. Quand tu te surprends à penser ça et à dire ça à voix haute, tu vas faire un petit clac comme ça sur ton poignet. Bien sûr, ça fait pas mal. C'est juste genre tu le sens, mais ça fait pas mal. Mais apparemment, dans ce livre, ils expliquaient que avoir ce petit clic comme ça, ton cerveau va associer ça avec quelque chose de pas bien. Et ça paraît peut-être hyper bête comme ça, mais ça marche vraiment. Tu verras qu'à force de faire ça, tu te rendras compte que le jour d'après, tu le fais un peu moins. Et le jour d'après, encore un peu moins, etc. Jusqu'à ce que tu arrives de complètement te débarrasser de ces phrases-là ou ces mots-là que t'aimerais plus avoir dans ton vocabulaire. En tout cas, moi, j'ai testé et j'ai trouvé que ça fonctionnait. Donc, à tester, dites-moi. Cinquième point, réfléchis moins et agis plus. Je me souviens qu'il y a quelques années, quand je voulais prévoir mes prochaines journées, tu vois, essayer de m'organiser un peu, je commençais par prendre une grande feuille blanche et je faisais genre un beau calendrier et tout. Je passais mes genre 3 heures à bien quadriller, tu vois, faire en sorte de prendre ma règle et que chaque case ait le même nombre de centimètres et tout. Je faisais des petits dessins, des petits machins pour que ce soit joli, tu vois. Mais au final, je n'agissais pas, genre je prévoyais pas du tout ce que j'allais faire dans les prochains jours parce que j'étais trop focalisée sur le comment et l'apparence et l'emballage un peu. Mais je pense que, un peu inconsciemment, c'était une manière pour moi de repousser un peu la tâche que je voulais faire. Vu que j'avais du mal à m'organiser et j'arrivais pas à prévoir ce que je voulais faire dans les prochains jours, le fait de passer beaucoup d'heures sur juste la mise en page et le fait que ce soit joli, eh ben ça faisait en sorte que je passais moins de temps, ou même pas du tout, à m'organiser, à faire la tâche que je voulais vraiment faire. Et souvent, je me souviens que je me disais « Ouais, mais je planifie, c'est utile, genre même si je passe du temps, c'est utile de passer du temps à planifier. » Et ensuite, comme ça, après, tu vas plus vite pour exécuter. Mais ça m'arrivait de passer 4 heures à faire mon joli petit agenda. Et ça peut être productif dans certains cas, de passer beaucoup de temps à prévoir avant d'agir. Mais je suis quand même convaincue que la plupart du temps, on n'aurait pas besoin de tout ce temps-là. Je pense qu'on devrait être plus dans l'exécution que dans le prévoir et organiser. Parce qu'en fait, c'est une fois que tu exécutes que tu vas vraiment te rendre compte des erreurs. Il y a plein de cas où quand tu penses au truc et que tu essayes de le prévoir et tout, tu vas pas imaginer les potentiels erreurs que tu peux faire et donc tu vas pas évoluer sur ton idée, alors que si tu te lances, ok, tu te tromperas, tu feras des erreurs, mais au moins t'avanceras sur ton projet. Sixième point, aller au plus simple. Je pense surtout aux produits de beauté, aux gels
douche, au shampoing, etc. Personnellement, je préfère mille fois utiliser de l'huile d'argan pour mon corps ou du beurre de karité, des trucs vraiment bruts, tu vois. Pas le genre de crème pour le corps que je kiffais quand j'avais, je sais pas, 16-18 ans et qui sentait bon, qui avait des parfums, qui avait des odeurs stylées, qui avait des paillettes, qui avait des machins, mais qui avait aussi plein de produits chimiques. Et je me tartinais ça sur le corps, genre ok, ça sent bon, mais je sais que maintenant, j'essaye vraiment de revenir plus à des trucs super simples. Genre même si j'ai pas de démaquillant et que je dors chez une copine ou quoi, et que je sais pas, elle a pas de démaquillant ou je peux pas lui en emprunter, ben je vais me démaquiller à l'huile, genre n'importe quelle huile, tu vois, même de l'huile d'olive qu'elle a dans sa cuisine. L'aloe vera aussi, c'est génial. Pas pour se démaquiller, hein, mais pour hydrater de manière générale. J'en mettais même sur mes cheveux à un moment, ou pour plaquer mes cheveux, au lieu d'utiliser les gels avec 12 000 produits chimiques perturbateurs endocriniens. Je mettais juste de l'aloe vera. Bon, bien sûr, c'est pas fixation béton comme dans la pub, tu sais, mais c'est quand même cool. Et ça hydrate les cheveux en même temps, et surtout c'est pas mauvais pour notre corps. On a déjà tellement de produits chimiques, de perturbateurs endocriniens dans notre quotidien et dont on peut pas vraiment se passer, en tout cas qui sont plus durs à éviter. Dans ce qu'on peut contrôler, autant essayer d'aller vers quelque chose d'un peu plus naturel. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est ce vers quoi j'essaye de tendre. D'ailleurs, j'ai un compte Instagram à vous conseiller qui s'appelle by-cynthia-k, je vous l'écrirai. Incroyable, vraiment génial, elle donne plein d'astuces pour justement se libérer un peu et essayer de s'éloigner de tous ces perturbateurs qu'on a dans notre quotidien. Que ce soit des petits pchit-pchit, vous savez, pour les toilettes, les parfums d'ambiance, jusqu'aux poils et aux ustensiles de cuisine qu'on utilise. Vraiment génial son compte. Septième point, se coucher avant minuit. Je sais que pour moi, quand je me couche après minuit, c'est vraiment hyper frustrant parce que j'ai l'impression que la journée d'après a déjà commencé et que moi je suis genre en retard sur la journée, tu vois. Que du coup je vais pas pouvoir me lever tôt, donc je sais que je vais me réveiller tard, et étant donné que les premières heures quand tu te réveilles sont importantes, je sais que si déjà je me réveille à 10h30 ou plus tard, je vais pas avoir envie de faire des choses comme si je m'étais réveillée tôt. Le sommeil, c'est hyper important. Dans le livre Pourquoi nous dormons, il conseille de dormir vraiment grand minimum 7 heures par nuit, mais j'ai remarqué que je me sentais tellement mieux quand je dormais entre 8h30 et 9h. Je sais, c'est énorme, enfin, pour certaines personnes, c'est énormément de sommeil parce que, voilà, quand tu travailles tôt le matin, que t'as envie de profiter un peu de ta vie le soir, genre aller boire un verre ou quoi, ben franchement, les 8h30, 9h de sommeil, elles sont dures à avoir. Mais j'ai remarqué que pendant la journée, je me sens tellement plus productive, j'arrive à faire tellement plus de choses, je suis plus efficace, je suis plus claire dans ma tête, que en fait, même si c'est plus de temps à dormir, donc entre guillemets à rien faire, ce qui pourrait être considéré comme ne pas être productif ou ne pas être efficace, ben en fait je vais être tellement plus en forme le lendemain que je vais réussir à effectuer bien plus de tâches que si j'avais dormi que 7 heures ou encore moins. Huitième point, c'est le fake it till you make it, mais aussi pour le professionnel, pas seulement pour la confiance en soi. Fake it till you make it, c'est faire genre que tu as atteint un certain niveau professionnel en gros, alors que tu l'as pas encore atteint, mais tu te persuades que c'est déjà fait pour que ça arrive plus vite. Et il y a quelques jours, j'ai envoyé plein de MP sur Instagram à des marques. Je peux même vous mettre le screen ici. Vraiment comme si j'étais une grande influenceuse, tu vois. En mode comme si c'était une opportunité pour eux que je leur propose de mettre leur marque en avant. Donc bien sûr, je me suis pris des vues, bien sûr, il y en a plein qui n'ont pas répondu. Mais il y en a aussi pas mal qui étaient chauds. Et je trouve ça génial parce que si on demande pas, on n'a pas. Oser demander, c'est vraiment la meilleure chose. Et je regardais une fille sur TikTok il n'y a pas longtemps qui disait, de manière générale, elle conseillait aux petits influenceurs ou aux petits créateurs de contenu et youtubeurs, de, quand elles parlent à des marques et qu'une marque leur demande leur prix, de littéralement doubler ou tripler le tarif qu'ils auraient demandé de base. Elle disait que souvent les marques, elles ont un budget marketing et qu'elles regardent pas forcément. Alors des fois, il y en a certaines qui analysent vraiment toutes les données des créateurs de contenu, etc. et qui mettent vraiment leur budget de manière intentionnelle sur différents créateurs. Mais elle disait que la plupart du temps, ils sont un peu dans le rush et ils ont pas forcément le temps de faire tout ce travail de recherche et se rendre compte de combien ça vaut vraiment, combien ça vaut pour eux de faire la publicité chez un créateur de contenu. Et donc, elle disait, dans plusieurs cas, c'est très possible que le prix, votre tarif habituel doublé, bah ça passe. Et elle disait aussi, si t'arrives à gagner deux fois plus avec une collaboration, bah ça va faire en sorte que t'es obligé, entre guillemets, d'en faire moins dans le mois pour arriver au salaire qu'il te faut. Donc ce temps-là que tu prendras pas à chercher une nouvelle collab, à la mettre en place,
place, filmer pour, etc., tu pourras le mettre dans un autre projet. Tu peux réduire ton nombre de collabs dans le mois et consacrer ce temps à d'autres idées. On a souvent tendance, de manière générale, encore plus en tant que femme, j'ai l'impression, à se dévaluer, à se dire qu'on ne mérite pas autant. Donc, osons demander, osons dire qu'on mérite plus. C'est peut-être ton signe, cette vidéo, pour demander une augmentation. Dans le côté professionnel aussi, fais genre que t'es déjà exactement là où tu veux. Agis comme la personne que tu serais si t'étais exactement au level que tu voudrais avoir. Neuvième point, c'est une erreur d'attendre d'être prêt. Souvent, on parle de faire les choses au feeling, à l'intuition. Donc, tu peux avoir ce truc de te dire « Non, mais je le sens pas encore. Genre, je me sens pas prête ou quoi. » Mais en fait, ok, mais peut-être que tu te sentiras jamais prête. On a quasiment tous ce syndrome de l'imposteur de se dire « Mais pourquoi est-ce que j'ai ça alors que je le mérite pas ?» Il y a énormément de personnes qui l'ont et qui se disent « Non, je peux pas faire ça parce que j'ai pas assez de connaissances ou j'ai pas assez de savoir ou ça marcherait pas. » Même moi, je me demande souvent « Mais comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui me suivent, tu vois ? Est-ce que mes conseils, ils sont vraiment si utiles que ça ?» Mais en fait, ce syndrome de l'imposteur, on l'a quasiment tous, ok ? Donc, passons au-dessus, agissons comme s'il n'existait pas et faisons les actions qu'on a envie de faire quand même. Je sais évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce syndrome de l'imposteur, vraiment, genre, il sert à rien. Et c'est pas seulement qu'il sert à rien, c'est que on est énormément à l'avoir, mais si on se cantonne à ça, ben, on n'agira jamais, on fera jamais rien. Donc, ignorons-le un petit moment. Bien sûr, il peut revenir de temps en temps nous chuchoter des trucs à l'oreille en mode « T'es une merde !» Mais on l'ignore. On lui met une petite claque là comme ça et c'est bon, il repart. Dixième point, garder ses affaires longtemps. J'ai vu cette traîne sur les réseaux de désinfluencer les gens. Je trouve ça génial. Là, le premier truc qui me vient en tête, c'est, vous savez, ces sortes de gourdes là que personnellement je trouve immondes. Je sais pas pourquoi elles ont autant la cote. Genre vraiment, je les trouve pas du tout esthétiques. C'est des gourdes vraiment à l'américaine, je sais même plus la marque. Mais bref, genre on a tous des gourdes chez nous dans notre placard. Bon, elles font très bien l'affaire. Pas besoin de s'acheter une nouvelle gourde parce que t'as l'impression que c'est ça qui va te faire boire plus d'eau. Bon, ok, chez certaines personnes, en vrai, ça marche. Mais c'est pour dire qu'on a déjà tout plein de trucs chez nous, que ce soit au niveau vêtements, au niveau déco, au niveau bijoux, qui sont totalement fonctionnels et qui peuvent totalement en servir encore. Et c'est pas la loose que de garder ses affaires longtemps. Tu vois, ma brassière de sport, je dois l'avoir depuis au moins 8 ans. Bah, je la kiffe, elle est géniale. J'ai récupéré des pulls de mes parents qui ont plus de 30 ans. Je les kiffe, ils sont géniaux. J'avais acheté, je sais plus quand, dans un magasin de seconde main, un jean Levi's et le bouton était complètement défait. Bah, c'est pas grave, je l'ai réparé et vas-y, il va faire 10 ans, 15 ans de plus. En fait, j'aimerais bien que garder ses affaires longtemps, ça devienne un peu un flex. Tu vois, que tu dises genre, quand quelqu'un te fait un compliment sur ta robe ou sur tes bijoux ou quoi, que tu dises genre, ouais, je les ai depuis 5 ans, ouais. Pas que ce soit en mode, oh, tu sais, c'est un vieux truc, je l'ai acheté il y a au moins 5 ans. Que limite, ça rajoute de la valeur le fait qu'il soit plus vieux. Je sais pas, je pars dans mon délire. Onzième point, segmenter son temps pour pas partir dans tous les sens. En fait, c'est hyper important de terminer chaque action. Tu vois, le matin quand tu te réveilles, ben tu termines toute l'action de dormir par faire ton lit. Si tu fais un petit atelier peinture ou un petit atelier dessin, et tu vas finir toute cette activité en rangeant tes stylos. Tu vas pas tout laisser sur ton bureau comme ça. Parce que, même moi, ça m'arrive très souvent, de commencer une tâche, puis d'en faire une autre, et puis ton cerveau, il vagabonde un peu, il vadrouille, et il trouve plein de trucs à faire, mais rien n'est fini. Tu vois, genre, tu commences à faire ton lit, mais il te manque une taie d'oreiller pour faire ton lit. Donc, tu vas voir dans ton placard. En fait, tu te rends compte, en regardant ton placard en cherchant une taie d'oreiller, que toutes tes affaires, elles sont pas très bien rangées. Donc tu commences à les sortir et les replier, les re-ranger. Et puis en rangeant tes vêtements, tu vas avoir une tâche sur un de tes vêtements. Donc tu vas te dire, ok, je vais faire une machine. Donc tu prends tes vêtements, tu les mets dans un petit truc, tu vas à ta machine à laver. Et tu, comme ça, tu as commencé 12 000 actions. Il y en a aucune qui est finie. Ton cerveau, il est complètement éparpillé, il sait plus où donner de la tête. Et t'as l'impression de pas avoir été efficace et productive parce que c'est comme si t'avais rien fait en fait, vu que t'as rien fini. Donc vraiment, chaque chose en son temps. C'est un peu le même principe que le time block, vous savez, c'est de consacrer des grosses plages horaires à une seule action. Plutôt que de commencer un travail, puis répondre à un mail, puis il y a quelqu'un qui t'appelle, donc tu réponds, puis tu vas voir autre chose. Et ben, tu vas faire une seule action pendant, par exemple, 2 heures. Et donc, tu vas grave avancer sur cette action-là précise. Il vaut mieux se donner de telle heure à telle heure pour finir une tâche parce que, déjà, on va être beaucoup plus efficace. On va avoir besoin de faire la tâche en 1 heure au lieu de 3 heures si on avait fait autre chose en même temps. Mais en plus, le sentiment de satisfaction, il sera bien
bien plus grand. 12e point, c'est pire de ne pas faire. Dans certains cas, le poids de ne pas avoir fait l'action que tu devais faire, il est bien pire que le poids de faire l'action en elle-même. Quand j'habitais en Suisse, au tout début, je me souviens que je voulais faire du community management pour des agences immobilières et pour des hôtels, etc. Donc en gros, gérer leurs réseaux sociaux. Et quand je suis arrivée, j'étais pas trop sûre de moi, ça me faisait un peu peur d'aller voir les agences pour leur proposer. Donc pendant plusieurs jours, juste je restais chez moi, tu vois, et j'allais pas voir les agences. Donc j'avais pas de nouveaux clients pour faire du community management. Mais en fait, cette sensation-là d'être chez soi le soir et de ne pas avoir fait ce que tu voulais faire le matin, de pas du tout avoir avancé sur ton projet, et ben c'est tellement pire. Genre je me souviens que je me sentais vraiment tellement mal et tellement pas bien de pas avoir fait ce que je voulais faire, alors que ce que je voulais faire c'était, et ce que j'ai fait après d'ailleurs, c'était aller voir les agences immobilières, donc toquer à la porte des agences et me présenter et en gros dire que je pouvais m'occuper de leurs réseaux sociaux. Ce qui est quelque chose de très très dur, vraiment. Je me souviens que c'était dur, c'était challengeant de ouf de devoir aller parler à des gens que je connais pas, chez eux, tu vois, dans leurs agences, dans leurs bureaux, donc j'étais forcément pas à l'aise, pas un endroit que je connaissais, pour leur proposer des services dont je ne savais pas forcément s'ils avaient besoin. Donc bien sûr, j'avais regardé un peu en ligne les réseaux, j'y allais pas juste comme ça, mais il y en avait plein qui me disaient « Ah non, c'est mon fils qui s'en occupe » ou « J'en ai pas besoin », genre les réseaux, en gros, c'est des personnes un peu d'une génération plus âgée qui connaissent pas les réseaux et qui ont pas l'impression que les réseaux vont avoir un impact important dans leur business, tu vois. Bref, au début, c'était très très dur de faire cet effort-là d'aller démarcher. Genre clairement d'aller démarcher, c'est comme les vendeurs en porte-à-porte, tu vois. Franchement, je respecte de ouf les personnes qui ont fait ce métier parce que ça a l'air vraiment dur. C'est tellement pas confortable, c'est tellement hors d'une zone de confort d'aller toquer à des portes et proposer des services. Mais pour revenir à ce que je disais, c'était encore plus dur, même si faire ça là, ce travail de démarchage, c'était dur, c'était encore plus dur de ne pas l'avoir fait et d'être chez moi le soir et de me dire j'ai pas avancé, tu vois. La frustration et la culpabilité de ne pas avoir osé, de ne pas avoir avancé, c'était le pire. Donc même si ça te paraît dur d'agir, ce sera toujours plus confortable que la sensation de ne pas avoir agi. 13e point, éviter les réseaux sociaux, mais pour une autre raison dont je t'ai jamais encore parlé. Je vais pas te bassiner avec tout le temps que tu vas gagner, la capacité d'attention que tu as complètement perdue qui va revenir d'un coup, que tu vas avoir une meilleure clarté d'esprit et une meilleure mémoire. Tout ça, on le sait déjà. Mais surtout, notre cerveau n'est pas fait pour avoir des roller coasters, tu vois, des montagnes russes d'émotions. Et sur les réseaux, t'as tout le temps ça. Quand tu scrolles comme ça sur TikTok ou les réels, tu vas avoir une vidéo hyper joyeuse ou hyper mignonne d'un petit chien trop chou. Et puis tu vas scroller et tu vas avoir une vidéo d'une personne qui parle de la mort de son chien. Alors que juste avant, t'as vu une vidéo de chien trop mignonne. Tu vois, en fait, tu passes du rire à genre « Oh, c'est horrible !» à une vidéo qui te fait rire, genre quelqu'un qui va raconter des blagues, tu vois, à une vidéo qui fait peur, à une vidéo un peu traumatisante ou quoi. En gros, ça fait vraiment... Les émotions, elles font ça, tu vois, quand t'es en train de regarder les réseaux. Et c'est vrai que je suis convaincue que l'humain n'est pas fait pour regarder ça et recevoir autant d'informations et vivre autant d'émotions hyper contradictoires en une si courte période de temps. 14e point, c'est l'esprit critique. J'adore les personnes qui ont un esprit critique assez important et qui remettent tout en question. Vraiment, je trouve ça génial, en fait. Je trouve que c'est une qualité pour moi qui est incroyable. Le truc, c'est que je vous dis ça, mais tout est à remettre en question, même les vidéos d'internet, même cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Parce que je trouve que de manière générale, il y a des choses à prendre et des choses à laisser dans quasiment tous les contenus. Je parlais du livre il y a pas longtemps, Glucose Révolution, dans la vidéo où je parle du sucre et le fait que j'ai fait une détox de sucre pendant 10 jours, en gros. Ce livre, il y a plein de points avec lesquels je suis vraiment pas d'accord. En gros, Jessie Inchospé, donc l'autrice de ce livre, dit que, d'après ce que j'ai compris, tous les sucres se valent. D'après son livre, pour ton corps, en gros, c'est la même chose que tu manges une cuillère de sucre blanc raffiné ou une cuillère de miel. Mais j'avoue que je suis vraiment pas d'accord. J'ai vu des vidéos sur TikTok de diététiciennes ou de nutritionnistes qui disaient complètement l'inverse, en gros, qui étaient pas d'accord non plus. Mais le miel, par exemple, il contient des enzymes qui sont super bonnes pour la santé, qui sont super bonnes pour la santé de la peau aussi, pour l'immunité. Ça n'a rien à voir au niveau nutritionnel avec le sucre blanc raffiné. En tout cas, moi, je suis pas d'accord avec ça personnellement. Mais ça veut pas dire que j'ai pas aimé ce livre, tu vois. Il y a certains trucs de ce livre que je trouvais intéressants et que voilà, c'était à prendre, et d'autres choses qui étaient à laisser, comme cette information avec laquelle je suis pas d'accord. En fait, dans n'importe quel ouvrage, dans n'importe quel contenu, dans n'importe quel livre, dans n'importe quelle interview que tu vas regarder à la télé ou n'importe quel film ou série, dans n'importe quel contenu que tu regardes, il va y avoir des trucs que tu vas aimer, il va y avoir des trucs que tu vas
pas aimer. Et je trouve ça primordial. Je trouve ça hyper intéressant, en fait, de ne pas tout prendre en mode « Ah, ce livre, il est hyper bien », et de rien remettre en question, ou de, au contraire, quand il y a un petit truc qui te plaît pas dans le livre, dire que tout le livre est nul, tu vois. Même dans les conversations que t'as avec n'importe qui, il y a peut-être certains conseils qui vont faire écho et qui vont bien t'aider, et d'autres avec lesquels tu seras pas d'accord. Mais je trouve ça génial de pouvoir remettre certaines choses en question, de pas toujours être complètement d'accord ou complètement pas d'accord, d'avoir une nuance. En fait, la nuance, je la trouve hyper importante. Et le 15e point, je sais, je vous avais dit 14 points, je sais absolument pas pourquoi j'ai écrit 14 dans le titre, alors que sur mes notes, il y a écrit 15 points. On va dire que c'est un point bonus parce que c'est un truc hyper rapide. C'est que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est hyper important l'environnement dans lequel on est. Et perso, je pense aussi que si t'es fan d'une série, que tu regardes grave un personnage en particulier ou que tu regardes une chaîne YouTube à fond, je pense que ça peut faire le même effet de ta personnalité va se teinter sur le contenu que tu consommes. Ce qui peut être très cool, par exemple, quand t'as quelqu'un dans ton entourage qui est au travail, par exemple, qui est pas agréable ou à qui t'aimerais pas ressembler, mais t'as pas le choix de le côtoyer, et ben autant contrebalancer ça en passant du temps avec des gens que t'aimes, mais aussi en regardant du contenu qui t'inspire et des personnes à qui tu aimerais ressembler, ou en tout cas certains aspects où tu te dis oh, ça m'inspire, ça j'aimerais bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore merci à HelloFresh de l'avoir sponsorisé. On se retrouve tous les dimanches à 17h30 sur YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao.